37 volontaires ont été accueillis par la directrice même de l'établissement cet après-midi pour un briefing. Elle, qui avait interpellé directement le chef de l'État, a donc été entendue. Ce soutien humain permettra entre autres d'augmenter la capacité de prise en charge des patients atteints du Covid. Claude Panero répond à Marcel Bonneau. On a demandé beaucoup d'infirmiers de réanimation. Donc là, aujourd'hui, on est effectivement doté en profil de réanimation infirmiers, aides-soignants également. On a des profils d'infirmiers généralistes qui pourront intégrer les services d'hospitalisation et également des infirmiers généralistes qui pourront intégrer la filière des urgences. L'information, on continue sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.